Alors voilà, donc je vous ai donné les deux URL où télécharger les deux images, enfin, en tout cas pour les afficher dans Bing, les deux images. Alors une fois que vous êtes là sur le lien, vous cliquez évidemment sur Afficher l'image pour voir l'image en haute définition. Et vous les téléchargez. Donc, ce qu'on va voir là tout de suite, c'est comment faire des ombres portées dans Photoshop. Donc, on avait vu comment faire des ombres en dessous de l'animal, des ombres diffuses, mais maintenant, on va voir comment faire des ombres projetées, des ombres portées, on dit les deux.